Père Mathias nous libérera. De quoi? De cette île? Alex, tu es là? Oui. La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok. Ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre, tout en haut. Encore de l'escalade. Génial.
6 septembre 1982. Je suis seul à présent. Les autres sont morts. Tant mieux. Depuis les falaises, j'ai vu leur embarcation de fortune malmenée par la tempête. Les nuages étaient comme une main au-dessus de l'eau, jouant aux marionnettes avec le bateau. Aucun d'entre eux n'a survécu. J'ai bien observé le ciel. La tempête était très localisée et incroyablement subite. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Mais surtout, j'ai senti qu'elle ne frappait pas au hasard. J'ai senti une intention, quelque chose de délibéré. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île, pas encore. Mais si je veux partir un jour, je vais devoir comprendre ce phénomène. Je dois me mettre au travail. J'espère que ça marchera après tout ça.
formation militaire. Je ne reconnais pas ce kanji. Est-ce qu'elle date de la Seconde Guerre mondiale ? Octobre 1990. Au fil des années, d'autres naufragés sont arrivés. Mais je les ai évités. Et quand, par malheur, ils ont croisé mon chemin, je les ai éliminés. Mais à présent, je sais que j'ai besoin des autres. Je ne pourrai progresser qu'en prenant le contrôle total de l'île. Je vais rassembler un groupe de disciples loyaux. Ils devront accepter mon pouvoir et se soumettre à mes ordres. Mais surtout, ils ne devront pas hésiter à tuer. Cela fera désormais partie de leur vie. Je leur fournirai un cadre, un objectif et du travail. Et quand cette île sera à moi, je découvrirai le véritable secret des tempêtes. Accordé aux fusiliers de seconde classe de l'armée impériale japonaise. Ah, un kanji gravé à moitié effacé. Peut-être un nom ?
17 septembre 1982. Un plan commence à prendre forme dans mon esprit. Pour contrôler le pouvoir de cette île, je dois d'abord comprendre son histoire. J'ai besoin de temps et de place pour étudier cet endroit. Il y a tant de mystères ici, à commencer par les vestiges d'un ancien empire japonais et d'une mystérieuse reine. Cette reine est la clé, c'est certain. C'est parti. La tour devrait renforcer le signal de l'émetteur. Ok. Ensuite, trouve le canal d'urgence. Et essaie d'avoir un signal clair sur ta radio avant de diffuser le SOS. Hey. Tu sais qu'on croise tous les doigts pour toi ici. Merci.
liaison avec le système de réponse d'urgence. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft, de l'Endurance. Nous avons fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence, répondez. Répondez. Allez. Mayday, Mayday, ici Lara Croft, de l'Endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire. On commençait à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok, je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. Allez. Lara Croft, t'es incroyable. Hey, Reyes a même esquissé un sourire. Les flammes. Je peux y arriver. Voilà un bon moyen de descendre. Des cuves d'essence. Il faut que je trouve un moyen d'enflammer ça. Ça devrait marcher. Pilote, je dois la retrouver. Oh!
Lara, tu es là? À chasser cette idée de mon esprit. Une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. C'est pas rationnel. Tu sais que ce n'est pas rationnel, Lara. Il y a forcément une explication. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est de ma faute. J'aurais dû observer le ciel. J'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage. J'ai pas fait assez attention. Et maintenant, ils sont morts.